que par le vote des 324 députés sur 388 pour et 53 députés contre, que le gouvernement Matata vient d'être investi. Les députés ont approuvé son programme du gouvernement lors de la plénière de ce mercredi. Une séance qui était consacrée à la réponse du Premier ministre aux préoccupations des élus, du peuple. Matata Ponyo a rassuré que son gouvernement va s'affairer pour être à la hauteur et ainsi répondre aux besoins de la population. J'ai donc accepté toutes les critiques avec patriotisme et humilité. Quelle qu'en fût la véhémence de certains moments, car je considère qu'il s'agit là de l'expression sincère, la volonté partagée de réussir ces programmes pour votre crédibilité auprès de vos électeurs et de vos bases respectives. Après l'exposé du Premier ministre et la lecture de la motion du procès-verbal portant investiture du gouvernement, la plénière adopte ce procès-verbal qui est signé par Robin Minaku, président de la Chambre basse. Le moment solennel, c'est la remise de ce procès consacrant l'investiture de ce gouvernement à Matata Ponyo, Premier ministre. Voici le gouvernement Matata Ponyo investi.